Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dégustation de la Rub IPA de chez Page 24. On tenait à vous remercier tout d'abord pour toutes les vidéos, les photos, les tweets que vous nous envoyez, c'est vraiment super cool. N'hésitez pas à continuer, nous on adore vous répondre et on adore voir vos dégustations, savoir ce que vous avez pensé des bières. Mais parlons un peu de cette Page 24, voyons voir ce que nous réserve cette journée. Alors effectivement, aujourd'hui on va découvrir ensemble donc la Rub IPA, donc qui est le fruit d'une collaboration entre deux brasseries, donc la célèbre brasserie norvégienne Neuen et notre brasserie française Page 24. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de déguster les Page 24, je vais dire classiques, la blonde, l'ambrée, qui sont vraiment des bières traditionnelles du Nord-Pas-de-Calais, qui sont même servies avec des bouchons en mécanique pour vraiment rappeler la tradition. Mais il y a aussi toute une partie chez Page 24 de bières travaillées, revisitées avec des styles vraiment nouveaux. C'est donc la série Black Edition que tu as devant toi. Donc la spécificité ici, c'est le jus de rhubarbe qui est utilisé dans la composition de la bière, qui va donner ce petit côté acidulé, twisté. Alors le nez, il est typiquement houblonné puisqu'on est sur une IPA. Je ressens le litchi, des touches de rhubarbe. C'est très gourmand, c'est presque sucré, ça a l'air doux en fait en tout cas. Alors l'attaque, elle est vraiment saisissante, vraiment vivifiante. On a un caractère vraiment acidulé apporté par le jus de rhubarbe. Oui, en même temps, on retrouve aussi les fruits tropicaux. Ouais, les fruits tropicaux. Et en fait, c'est vraiment ça le jeu qui est vraiment bien équilibré. C'est qu'au début, on est sur l'acidulé et puis petit à petit, ça s'estompe. Et on arrive sur un bel équilibre en fait du houblonnage, à la fois sur des houblons aromatiques, le Pacific Gem notamment, qui est utilisé, qui va donner énormément de caractéristiques de fruits tropicaux. Et le mariage, voilà, c'est vraiment une collaboration, le mariage avec les houblons français qui eux vont être utilisés en amérisant et qui vont donner cette petite touche amère à la fin qui vont donner, ça va donner une bière très sèche, vraiment désaltérante. Donc c'est vraiment une bière surprenante avec son petit côté acidulé. Oui, et séduisante. Après, elle peut aussi se marier avec un poisson blanc légèrement citronné ou même avec un dessert, une salade de fruits, une tarte aux fruits. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos images, vos photos, vos vidéos sur les réseaux sociaux hashtag Beery Christmas pour avoir une chance de gagner peut-être le Beery Christmas de l'année prochaine. Bonne dégustation. Salut. Salut.